Salut station fréquence. Attention les stations fréquence pour le QSO national de Canal 27 avec le forum des ondes du routier. Les bonnes soirées 13-51 à vous tous de la part de Dindy 33 14 ODR 002. Est-ce qu'il y a du monde? Attention, Dindy 33, 65-51, le 14, Victor Eco L7, 14 ODR, 0 L7, sur Eric. Salut Eric, tiens, tu m'as fait peur. Pour le coup, je croyais qu'il n'y avait plus personne. Parce que il y a eu un avant QSO du canal 27 qui a été fait là, à 20h30. Ah oui, il y avait du monde là tout à l'heure. Il y avait Christian qui est de ton côté, je crois. Il me semble. Il y avait Fabrice. Il y avait Jérôme. Plus le QRPP de Fabrice qui était... tout le monde était là sur le 27. Et là, je lance l'appel, plus personne. Quoi. Ok Eric, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? Oui, très très bonne journée, je te remercie. Il y a Florian aussi qui est derrière. Voilà, donc si tu es dans le temps, je te retourne le micro. Ok, enregistrez les breaks. Alors les breaks, avant de vous faire rentrer, alors comme à chaque fois, cette première demi-heure est filmée, voilà, puis après, bon, la demi-heure passée, eh bien le QSO continue bien évidemment hors vidéo. Voilà, il y a un break qui m'arrivait très fort, les bonnes 73, Jean-Paul, Chameau, 2 secondes, je fais rentrer d'abord Jean-Paul en premier, les bonnes 73, 51 à toi. Ok, y a pas de problème, bonjour, 73, les bonnes amitiés, les amitiés à ton cœur, hein? Attends, je passe là, ils ont parlé, on parle, je sais pas dans laquelle. Donc, les bonnes amitiés, les bonnes 73 à tout le monde, hein, c'est bonjour Eric, bonjour Chamon, on s'est déjà entendu, oh, mais là, je passe là, les ont parlé, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, et je sais pas si vous l'entendez derrière, mais ça... je sais pas, oui, je sais où je passe parler. Je passe dans les cas. Alors voilà, j'ai plus qu'à les thèmes, parce que je me disais quand même, il y a des petites choses. Voilà, donc je vais retourner le micro du côté d'Eric, là je sais pas s'il m'entend. Les bonnes amitiés à toi, Eric, et retourne le micro. Oui, Jean-Paul, 73, voilà. Mais par contre, ce soir c'est petit, voilà. C'est pas si attends que tu iras, voilà. Ok, je te copie le petit, voilà. Retour, oui. Ok, moi, tu me copies petit, Eric, ou... non, c'est Jean-Paul. C'est qui, moi ou Jean-Paul, que tu copies petit? Ça arrive très très fort, il n'y a pas de problème, c'est impeccable. Non, c'est Jean-Paul, petit ce soir. D'accord, parce que, évidemment, moi, il n'est pas loin de chez moi, donc il cartonne à fond, quoi. Ok, en attendant qu'il résoudre son petit problème, là, qu'il revienne parmi nous, je fais un retour de micro du côté de Chameau. Chameau, les bonnes 113-51 à toi. 113 station de 14 h 007, 73 à Dandy, 73 Eric, 73 Jean-Paul, 73 Fabrice, s'il est toujours là. Retour, Fabrice, si t'es encore là. Ok, ouais, c'est vrai que Fabrice était là tout à l'heure. Bon, il reviendra, il n'y a pas de problème. Ok, Chameau, tu as les bandes 73 de Eric. Voilà, le QSP est fait. Eric, tu as aussi les bandes 73 de Chameau. Visiblement, tous les deux, vous entendez pas ce soir. Ok, désolé Eric, Chameau t'as surmodulé.
Tu étais concentré? Pourquoi? Tu t'es acheté un cerveau aujourd'hui, Hachi? Enfin, j'en doutais. Ouais, désolé, Eric, pour la chambre, je l'ai. Désolé. Tu m'as gagné, là, j'avoue, tu m'as gagné. Allez, de retour, Jean-Paul, je suis mon temps. Bon, bien sûr que je t'entends, hein, bien sûr que je t'entends. Bon, peut-être que sur ces balles-là, le poste, il passe un peu petit, hein, il passe un peu petit, ils sont, je sais pas, t'as généralement WhatsApp, ils sont 60-70 watts, hein, mais bon, donc j'y peux rien, donc voilà, hein. C'est comme ça, sur ces bandes-là, ça passe un peu plus petit. Mon antenne n'est pas réglée pour cette bande-là, donc j'ai réglé pour toutes les autres bandes, hautes, mais pas celle-là en bas, alors j'ai un peu de TOS en plus, donc ça, ceci explique cela peut-être, hein, je sais pas. Voilà, donc, mais j'ai le droit de mettre dans moi, ils sont 70-80 watts. Voilà, un point de modulation, bien sûr, donc il y a 50 watts modulés, donc ça devrait pourtant passer, mais je te dis que le TOS, l'antenne n'est pas réglée pour ces bandes-là, et je m'en ai un peu plus, là. Voilà, retour à toi, Dandy. Oui, enregistrer le break derrière, à moins que ça soit de la propague. Ok, d'accord. Mais tu n'as pas une boîte d'accord qui te permet là, de rattraper le tir? Si j'ai une boîte d'accord, hein, j'ai les deux mêmes boîtes d'accord, mais la boîte d'accord elle est sur le décamétrique, une, et puis l'autre elle est sur le placard. Parce que le bureau, s'il y avait Fabrice, il t'expliquerait que il y a deux décamétriques, deux boîtes d'accord, deux postes, il y a deux alimentations, une pour chaque place, et il y a deux micros sur pied. Alors si je remets en plus la boîte d'accord, eh bien. Je vais pas en finir, hein. Je vais pas en finir, mais je peux la mettre, hein. Je peux la mettre, il y a pour 30 secondes pour l'accorder, mais bon, il faut que je débranche, il faut que je rebranche, bon, je pensais même pas venir ce soir, hein. Je pensais même pas venir du tout ce soir, puisque, en principe, j'ai trouvé un logiciel, en fait, j'ai trouvé, c'est pas moi, notre ami Fabrice qui m'a trouvé un logiciel sur Internet pour pouvoir discuter aussi. Donc voilà, donc j'ai mis un logiciel et je parle sur Internet en principe tous les soirs. Voilà, et ce soir j'ai décidé de venir vous dire un petit bonjour, voilà, c'est tout. Voilà, mais si j'en ai des mots d'accord, j'en ai plus que j'en voudrais. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon, hein. Si tu penses que ça va de ton côté, là, quand même, que ça passe au niveau TOS, c'est tout bon, hein. Vu qu'on n'est pas fermé à la discussion, qu'est-ce que c'est comme logiciel que tu utilises, là, pour discuter sur Internet? C'est un cher. D'accord, ok, je connais. Mais je crois qu'il y a un abonnement payant en plus dessus, à moins qu'il y ait une période d'essai. Ouais, je crois qu'il y a une période d'essai gratuite. Oui, j'ai entendu Eric. En avant, Eric. Oui, oui. Il y a Florian qui s'est manifesté, là, qui vous a salué. Vous avez parlé tous les temps. Il a pas pu en placer une. Donc, je lui retourne le micro. Vas-y, Florian. Attendez deux secondes. C'est trop tard. Allez, à retour lundi. Attends, il y a Florian qui est en train de parler dans le lointain derrière. Ok, d'abord, je vais retourner à micro à Rémi. Est-ce que tu as reçu Florian? Non, j'ai pourtant monté le volume. D'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit couac de mon côté, au niveau du poste. Je disais donc, j'ai pourtant monté le volume. Bon, il pourra entendre sur la vidéo quand elle sera mise là sur Facebook. Là, ça passe vraiment à peine. Pourtant, j'ai largement monté le volume plus qu'il ne fallait.
et je l'ai à peine deviné derrière. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment de la devinette, parce que tu m'as dit, Eric, qu'il était là derrière, quoi. Voilà pourquoi, voilà, c'est vraiment un film. Retour, Eric. Ok, c'est lié, Pierre-Éric, partout. Eric a dit, c'est Crunch, voilà, tu est-ce que tu nous copies Crunch 73, Eric 14, Victoria Corel 7, si tu veux copier, on avant le micro pour toi, Crunch. Non, c'est pas bon. Ça passe pas de mon côté. Non, rien du tout. Là, j'ai absolument rien de mon côté. Par contre, Jean-Paul a entendu un break derrière. Jean-Paul, je te retourne le micro pour faire rentrer le break. Oui, c'était un break assez lenteux. Alors donc, le break à l'avant pour l'ensemble du plaisseau, je ne sais pas trop qui y a là. Comme je suis arrivé en retard, je ne sais pas trop. Donc, le break à l'avant. Ok, c'est parti. Ici, le second du 47 QTH. Ok, d'accord, ben voilà, c'est Jean-Paul de Saint-Émilion là, qui t'a fait rentrer. Les bonnes 73 à toi, Belphégor, comment vas-tu depuis hier soir? Le front est terminé, donc ça ne va pas aller très bien. Ok, d'accord, il y a aussi Chameau qui est avec nous, Florent. Du côté d'Eric, il y a Florian que tu devrais entendre, je pense. Eric, peux-tu faire rentrer Florian pour Belphégor? Ok, tout d'abord, 73 à Belphégor, je sais pas si vous entendez, mais moi c'est toujours, comme d'habitude, négatif, voilà. Voilà, Florian, il est du côté de Quinsac, donc Florian, je vais retourner le micro à toi, Belphégor, et on va voir si Florian t'entend, il est peut-être plus près que moi. Allez, vas-y à toi, Belphégor. Enregistrer le break. Ok, d'accord. Bah, j'attendais Eric ton retour là pour savoir ce qu'il en était. Il y a eu un break. En avant le break, les bandes 113, 51 de l'ensemble du QSO et ainsi que de ma part 14 ODR 002 QRZ local d'Indy 33. En avant le break. En avant le break. Ah, c'est bien dommage. C'était juste le temps que ça se terminait de l'autre côté, là, pour que ça revienne d'une autre. Voilà, c'était tout. Bon, c'est pas grave. Il reviendra. Oui, il reviendra, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais c'est parce qu'on n'entend pas, notre station. Nous, moi, je ne sors pas toujours. Hein. Là, je suis sur l'antenne qui est basse, donc elle est à 7 mètres, c'est là. Alors, donc, c'est pour ça qu'on m'entend un peu plus petit sur celle-ci. L'autre à 12 mètres, c'est pas pareil, mais moi, je le décale, je module pas la M. Donc, là, je module qu'avec avec l'antenne qui est basse.
RCI, ça me suffira comme ça, voilà. Donc, mais de toute façon, je vais pas arrêter trop longtemps, hein. Je vais vous envoyer les bonnes amitiés à vous tous, hein, et puis les bonnes 73, c'était juste pour faire un petit coucou. Donc, les bonnes amitiés à vous tous, et puis Eric, bonne soirée, Dandy, bonne soirée, et puis à tous, bonne soirée, Chameau, bonne soirée, ça te va bien ça, Chameau, ça te va très très bien, Chameau, ouais, voilà, donc, les bonnes amitiés à vous tous, et puis, je vous dis à la prochaine, hein. À la prochaine, j'essaierai de venir, la semaine prochaine, je vais essayer de mettre ma boîte à con pour venir pour vous moduler avec ce poste-là, sinon, ça me fait un peu peur, il n'y a pas grand-chose, il y a un signe de TOS, enfin, bon, c'est toujours embêtant quand il y a du TOS, ça enlève de la puissance, et là, je ne peux pas régler, puisque c'est qu'un wattmètre, transmètre, mais ça, il n'y a pas de réglage dessus. Voilà, donc, les bonnes amitiés à vous tous, et puis, je vous dis à la prochaine, là, voilà, j'ai les baisseries, j'ai mis sur le 100 watts, comme ça, il redescend, et tout redescend, mais enfin, le TOS, il est quand même. Voilà, les bonnes amitiés, et je te retourne le micro, Chameau, puisque c'est un joli prénom, je trouve. Ok, Jean-Paul, mais écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans le QSO, c'est toujours un plaisir, on te souhaite tous le 73, d'ailleurs, ton fils Alexandre, il est pas là ce soir, hein? Alexandre, non, il travaille toute la journée, puis Fabrice, il a dû partir, parce que demain, il a du pro, donc, je suis au courant, donc, voilà. Mm-hmm. Voilà, donc, c'est pour ça, hein, c'est pour ça, ceux qui travaillent dans les chutes, comme ça, ils ont du boulot le samedi ou le dimanche, ils ont des remontages à faire, ils ont des trucs à faire, donc, ils sont obligés de partir de bonne heure, se coucher de bonne heure pour se lever, pour aller bosser, hein. Donc, voilà, on n'y peut rien. Voilà, donc, Alex, c'est pareil, il va nager le samedi, le dimanche, il va nager sans arrêt, là, maintenant, vu qu'il passe dans toutes les machines. Il m'avait dit qu'il viendrait peut-être faire un tour, mais bon, il a pas eu l'occasion sûrement. Et la fatigue l'oblige, hein, quand tu bosses toute la journée, pendant 8 ou 9 heures, eh bien, t'as pas envie de sortir de prendre le micro. Voilà, donc lundi, je te retourne le micro avec les bonnes 73, et je te dis à la prochaine. Bonne soirée à vous tous. Ok, merci pour le retour de micro. Eh bien, Fabrice, il était là à 20h30. Mais bon, hélas, j'étais au gastro solide. Je me suis échappé de la table quelques secondes, justement pour lui dire que je serai de retour à 21h. On a entendu son fils aussi. J'aurais bien aimé là qu'il soit avec nous, justement, là dans le QSO, le fiston. Comme ça, on l'aurait entraîné là dans le QSO, de ça, on l'aurait fait parler, ceci, cela. Ça aurait été vraiment QRO, quoi. Ok, merci Jean-Paul de ton petit passage, c'était vraiment sympa. Le week-end prochain, pour ma part, j'ai pas mon planning en tête. Bon, ben, on verra bien. Je sais plus... Je travaille pas. Ah, mon YL me dit que je travaille pas le week-end prochain. Donc ça devrait être bon pour moi, pour le QSO. Ok, merci Jean-Paul de ton passage. Je fais un retour sur Eric. Oui, tout à l'heure, je sais pas si... tu m'as dit qu'il y avait un frigo, je vais pas attendre. Donc voilà, je te retourne le micro, Rémi, vas-y, et puis tu feras tourner. Hein. Ok, d'accord. Belfegor, es-tu toujours là avec nous? Il y a Jean-Paul de Saint-Émilion là qui passe en QRT. Retour Belfegor. Thank you.
Ok, qui c'est? Attends, j'ai surmodulé quelqu'un, je crois, là. Ah, vas-y. Oui, le break, je crois. Ok, enregistrez le break. Daniel 92, bien sûr que je connais. S'il entend, s'il est derrière, on écoute. Les bonnes sont 13-51 à lui. Il y a eu Christian aussi qui est passé là tout à l'heure. Il y a eu une station Jérôme qui a fait un passage aussi, mais tout ça s'est passé avant le départ de QSO. Chameau, là, me dit qu'il y a eu un break. En avant le break. En avant le break. Eric, retour de micro pour essayer de faire rentrer le break. Allez, gratis, j'ai pas entendu le break. Voilà, de l'autre côté. Ce soir, c'est pas la même propagation qu'hier soir, j'ai l'impression, hein. Ouais, et je sais pas de ton côté, Eric, mais de mon côté, j'entends du monde derrière, hein. Mais c'est lointain, quoi. Ouais, moi, ouais, de mon côté, j'entends rien. J'ai Florian qui est de ce côté aussi. Lui, je crois qu'il a le même cas que moi. Hein. Ouais, j'ai un Santiago 3, là, derrière. Florian, je l'ai pas du tout sorti, ou vraiment, vraiment à peine, hein. C'était à peine audible. Belfegor, Eric, apparemment ce soir, aussi bien dans un sens comme dans l'autre, c'est très très QRP là, par rapport à hier soir. Ah, c'est dommage, c'était pourtant bien parti hier soir. Hein. Et ben, comme quoi, les jours se suivent et se ressemblent pas. J'entends pas Fabrice ce soir. Il doit être là, non ? Attends. Ok, Belfegor, merci de ton passage. Les bonnes 113-51 à toi, de l'ensemble de moi-même et de l'ensemble du groupe. Voilà, Eric te retourne les bonnes 73. Eric, tu m'excuseras, je l'ai fait. je me suis pris la permission de le faire à ta place. Chameau, je pense pas que tu l'entends non plus. Bon, tu as les 73 de Chameau. Fabrice, il était là en début de soirée avant le QSO. Bon, visiblement, d'après les explications de Jean-Paul, bon, bah évidemment, c'est vrai qu'en ce moment, ici sur le sud-ouest, on est en plein dans les vignes. Là, c'est en plein Ah merde, tiens, je bafouille. Les vendanges ont bien commencé. Là. Voilà, j'y arrive. Ok, bah, Belfegor, merci de ton passage. Et à bientôt sur les ondes. De toute façon, je suis en même temps en interactif sur le forum et sur Facebook. Super, allez, bonne soirée, retournez. Ok, merci beaucoup, Belfegor. Bonne soirée à toi. Bon dimanche pour demain. Moi, demain, j'attaque en nuit. Voilà. Ok, retour Chameau. Je m'entendais un petit peu ce soir avec le petit Roger Bip. Non mais 73, ouais, 73, Alcégar. Dis-moi, Rémi, là, je passe pas un peu mieux que tout à l'heure, là, je passais pas un peu en saturé tout à l'heure. Là, ça va. Là, c'est correct. J'espère que moi non plus, je parle pas trop près du micro. Là, ça va, c'était vraiment sur la limite. Je pense que je serais plus près de toi que ça aurait tendance à saturer un petit peu. Mais là, pour moi, c'est bon. D'accord, ok, parce que tout à l'heure, je me rappelle, là, le mid-gain, il était trop puissant. On avait dû toucher à ça, enfin, je sais pas qui, enfin, je pense que c'est mon frère. Enfin, j'en sais rien. Donc, j'ai vraiment réglé, là, le mid-gain. Enfin, voilà. Ah, c'est tout bon, hein. Donc, ouais, demain soir, t'es en nuit, donc, du coup, je sais pas qui c'est que je vais pouvoir avoir au 600 demain, en journée, à chier. Ah, oh, Eric. Il y a Chameau, tu vois, là, il sait que demain je vais être en nuit au pro, et il se demande qui c'est qui pourrait bien avoir au 600 demain. Eric, t'as pas une idée des fois? Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas trop compris. Là, Chameau, il va appeler quelqu'un au 600. Chameau, je viens de lui dire que demain je serai en nuit là au pro. Et donc, il est un petit peu inquiet, il se demande qui c'est qui pourrait bien appeler au 600 demain.
T'aurais pas une idée, toi? Ok. Chameau, je pense que j'ai une très forte idée sur qui tu pourrais appeler demain. Ok, ok. Mais écoute, demain, c'est dimanche, non, donc du coup, je vais l'appeler sur les coups de 14-15 heures. Je lui ferai un petit coucou. Ouais. Attends deux secondes, Eric. Ouais, 14-15 heures, à peu près. Ok, Eric, aux environs de 14-15 heures, est-ce que c'était possible demain? Est-ce que tu serais dispo au 600? Non, demain c'est dimanche, je peux pas demain. Ok, Eric, Chameau, non, demain c'est dimanche. Il faudrait que tu attendes lundi alors. Ok, mais je m'en doute un peu, c'est pour ça que j'ai hésité. Demain c'est dimanche, je comprends, t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal, qu'il passe un petit peu de temps avec sa petite femme, c'est normal. Bah bien sûr. Oui, retour Eric. Oui, lundi, 14 et 15. Très bref. Pas demain, demain, non, je sais pas. Ouais, non, mais c'est normal, hein. Le dimanche, quand même, on peut s'éloigner de la radio, de 600, de tout ça. Il y a eu un break. Enfin, Chameau a entendu un break. En avant le break. En avant le break. C'est pas un break, c'est moi qui faisais un commentaire lundi, Jean-Paul. Hein. J'ai dit, Eric, le dimanche, il va faire naviguer son bateau. Ah oui, c'est vrai. Faut y penser à ça. Eric, demain tu fais de la navigation. Ouais, demain je suis pas chez moi, là. Demain je suis au club. Là. Ok, vas-y, dis-nous un peu plus, Eric. Oui, mais demain il y a un championnat de la tête de la vigilance. Donc demain je serai sur cette place, au club de Vicarat, c'est le club de Rodéus Valerane, voilà. Donc voilà, la journée va être assez chargée. Voilà. Et pour info, le bateau il a navigué aussi cet après-midi. Il fait du beau et on en a profité un petit peu. Ouais, donc, ben c'est une autre forme de radio, hein, le radiomodélisme. Ah, c'est bien sympa, ça me plairait, une C4, justement, d'aller te voir faire, là, par là-bas, quoi. Ouais, il y en a un autre, d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant. Ça fixe ça, et puis, il n'y a pas de problème, hein. Ok, oui, Chameau, t'as encore entendu un break? Alors, en avant le break? Non, je n'ai pas entendu de break, je disais, c'est vrai que d'aller voir... Ben oui, tiens, tu m'étonnes, c'est sûr, oui. Alors, la vidéo prend fin. Nous, on va continuer le QSO. Bye bye, à la prochaine.